Hey, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors là, j'étais un petit peu en retard avec ma vidéo. Là, c'est une chasse de pré-saison. Et puis, c'est une chasse que j'ai amené mon ami JP. Que JP, lui, c'est un... On peut dire que c'est comme de la relève à la chasse. Là. Il est tout nouvellement... il vient d'avoir son permis de chasse. Alors, il s'est équipé, il s'est acheté un fusil. Bref, là, il est prêt à chasser. Ça lui a coûté une fortune. Mais là... Il fallait qu'il fasse sa première chasse. Fait que là, j'ai dit, donne-moi tes disponibilités, je vais essayer de trouver un champ, puis on va aller faire ça en semaine, faire une petite chasse. Fait que là, j'ai prospecté, j'ai cherché un champ, cherché un X, pas trouvé de champ. Mais là, j'avais un champ que j'avais qui était comme un peu sur un flyway, il y avait des bernaches dans le secteur, mais tu sais, c'était pas un champ qui était sûr. Fait que j'ai dit, JP, j'ai un champ, mais je te garantis rien. Peut-être qu'on va voir une bernache, peut-être qu'on n'en aura pas, peut-être qu'on va en avoir deux, ça sera pas. Je m'attends pas à ce qu'on fasse une grosse chasse, mais si tu veux, on peut y aller quand même, puis ça va te donner une expérience un peu là, de qu'est-ce que c'est. Fait que il a accepté, il a dit, ben oui, ça va être le fun, on va y aller. Fait que le matin, ben on s'en va là, on se lève de bonne heure, on se rend là. Puis finalement, ben, ça a été une. Pas pire chasse. Je vous laisse sur les images. Puis mon Dupi, penses-tu qu'on va empoigner pour ta première chasse? Ça serait le fun. C'est ça le but. J'espère, sinon tu voudras plus venir à la chasse avec moi. Ça en vient. Je pense qu'elle va se poser. Pas dans le soya. On va dire. T'es pas lié. Oh yes! Good job! Yes. Je l'ai manqué pis tu l'as pas lié. Il y en a une autre. Il y en a une autre là. Pris l'autre, toi. Laisse-la, va se poser. Non, tire pas. Attends. Jessie, tu restes. Good job. Ça revient. Bouge pas. Elle va te revirer puis elle va se poser. Laisse-la se poser. T'sais. Good job, JP! Good job, man! Yes. Hey, cher de toi. Good job. Hey, ils sont bien décédés. Là. L'autre aussi là-bas. Là. Hey JP, comment tu trouves ça la chasse à bernache? C'est malade! Après seulement 15 minutes. Ouais. Oh shit! Mais non, c'est des canards. Là, on a des bernaches qui nous ont shorté. Elles sont posées à l'extérieur du setup. On va attendre qu'ils marchent. Fait que c'est pour tirer. Ils sont loin un peu. Ils s'en reviennent? Bouge pas. Ouais, bouge pas. Ils vont passer en haut, nous autres. Mais qu'ils passent. Laisse-les se poser. Les as-tu? Go! T'as-tu pogné une? On est une. Ouais. Oh, je pense qu'on va le faire. Là. Non, là. Un peu. Bouge pas. T'as pogné une. Une de blessé. Oh boy. Oh. Tire pas.
de deux. Laisse-le faire, tu vois, les autres vont suivre. Les autres vont suivre. Bouge pas, JP. Bouge pas. Laisse-le se poser. Check ceux-là en avant, là. Pogne-toi des oiseaux. Tire pas dans mes décoys. Où est-ce qu'il y en a le plus? Bouge pas. Tu prêt? T'es-tu prêt? Tire à gauche. Tu prêt? Go! Ouais. Assieds-toi un peu. 3, 2, 1. Arrête. Ah, c'est une qui est repartie. Bouge pas, tire pas, c'est trop loin, c'est trop loin. Plus tu tires, plus ils s'en vont. Je pense que oui, tu n'as pas une à gauche, mais je n'ai pas une. Oh, il y en a qui sont proches. Il y en a deux là-bas. Jesse, tu restes. Oh my god. Sont là. Bouge pas. En avant de toi. Bouge, attends. T'es-tu dans les décoys, toi? Un peu. Ok, pogne celle-là de gauche. C'est bon? C'est bon? Good job! Non, attends. Elle est pétée de l'aile, elle s'en ira pas. Oh, y'a là! C'est des corneilles. Ça, c'est des corneilles. Elle, là-bas, c'en est une. C'est parce qu'elle, elle marche là-bas. Où ça, deux? Les deux en l'air. Ah, corneille. Là, elle, là-bas, on va la ramasser. Ok, y'en a trois qui s'en viennent. Elle s'en vient. Prépare-toi. Va être où? Va être juste là. Tourne-toi tranquillement. Bouge pas. Là, notre passe est pas mal. On est pas mal dans les dernières. Minutes de notre chasse. En attendant, ce que je fais, je ramasse les bourres qu'on a tirées. Faut ramasser nos cartouches, mais les bourres, faut pas les oublier non plus. Faut pas qu'il reste rien dans les champs. Prenez jamais vos permissions pour acquis. Fait que c'est ça, ce matin, dans le fond, c'était une petite chasse de prospection. Ça, j'aime bien faire ça. Quand je sais qu'il y a des oiseaux dans un secteur, mais je suis pas capable de localiser exactement où ils s'en vont, je m'installe dans un champ que je pense qui est un bon champ. Puis, c'est un guess. Ça veut pas dire que je vais en pogner, mais je suis là. Fait que si je les vois voler, même s'ils viennent pas vers mon setup, je vois où ils s'en vont. Puis là, ben,
C'est une opportunité pour moi de sortir mes petites silhouettes. Parce que les silhouettes, c'est super rapide à poser. On avait à peu près une quarantaine d'appelants. Ça nous a pris peut-être 15 minutes, c'était ça. Ça va être aussi rapide de les sortir du champ. J'ai pas eu besoin de trailer. On a fait un voyage. Puis là, aujourd'hui, on chasse dans un champ labouré. Puis là, on voit déjà que ça l'a repris un peu, là, la verdure. Ça fait quelques jours que ça a été labouré. Fait que je savais que c'était un champ qui était quand même propice, là, parce qu'il y a de la petite verdure à manger fraîche. Fait que je pense qu'on s'en est bien sorti ce matin. Malheureusement, j'ai pas pu tout filmer les shots. Là, j'ai des problèmes avec ma GoPro. Mais on a quand même une douzaine de bernaches là, pour une chasse de prospection. Là, c'est excellent.